Zami la société, bonjour, bonsoir. Bienvenue sous Chanel pour la. Chanel qui toujours pote bon jan nouvelle pour vous, bon jan information, sans fausse côté, sans vous remonter. Et bien, il y a un pile dossier qui a fait actualité que nous pote pour vous là. Et bien, Judson Duogène, lui-même qui se porte-parole, parti politique, famille Lavalas, et bien, accusé OEA, il fait que vous avez participé. Non, coup d'état contre président Jean-Bertrand Aristide en 91 avec en 2004. C'est ça que fait parti politique famille Lavalas pas al nan chita parler ensemble avec OEA et puis critiquer l'autre membre opposition qui était chita parler ensemble avec eux. L'autre information n'a gagne pour porter pour vous, eh bien mission OEA lui-même, il fini en Haïti là, eh bien ça qui était je dis, c'est élection tête droite que lui-même lié. Eh bien, c'est toute information ça, avec un pilote qu'on a bien pour porter pour vous, ou même qui pourquoi abonner à la chaîne là, n'a pas nous fait ça kounya là. Comme ça, on peut pas dire même yon yota dans la série information n'a bien pour porter pour vous. Ouyo. Eh bien, je note à nous, c'est ça en titre. Judson Duogène, porte-parole, famille Lavalas. Eh bien, nan chita pale qui te fait ensemble avec lui, puisque c'est porte-parole, famille Lavalas, parti politique, Jean-Bertrand Aristide lui-même, la dirige à la. Eh bien, fait qu'on est yo-même dans la famille Lavalas, yo mauvais coucou, le fait que yo tende. En pile nèg nan opposition Alchita parler ensemble avec OEA. Bien, nous connaît organisation État américain lui-même devini pour capable et bien ouais comment yo ka jwenn une solution pour pays a lui-même sorti nan crise que lui-même lié a. Pour rappel, et bien OEA lui-même li composé avec un pile représentant représentant permanent Canada, Costa Rica, Équateur, Saint-Vincent, Grenadines, États-Unis, Ligue secrétaire général OEA, et puis Ligue représentant spécial secrétaire général en Haïti, eh bien, yo tout te vini pour voir comment ka faciliter le dialogue qui pourra mener dans élection libre et puis équitable. Eh bien, en pile parti politique, pas décidé chita parler ensemble avec OEA, mais gen pile l'autre qui te chita parler. Takou, Reginald Boulos te chita pale, Yuri Latotu, li même te chita pale, Ousmane Pradel te chita pale tout, ça veut dire Dirpod la, AAA, MTV Haïti, avec un pile l'autre parti politique, on kote d'accord, chita pale ensemble avec OEA. Eh bien, Lavalas sa pa chita pale, puisque yo même, yo fait qu'on est OEA, pa capable résoudre crise multidimensionnelle, cap traverser pays à la. Au contraire, li fait qu'on est OEA, c'est yon responsable situation actuelle pays à lui-même la traversée à la. Puisque, famille Lavala, c'est bien, li fait qu'on est OEA a supporté régime PHTK ça depuis 10 ans, malgré yon revendication peuple là, depuis sous président Joseph Michel Martelly, rivé sous Jovenel Moïse, eh bien, vous continuez à supporter pour voir ça. Eh bien, famille Lavalas dit OEA, la cause, ça qui a privé à la côté crise politique, mais dans crise insécurité, crise alimentaire. Ça veut dire, dans bouleverse ça là, OEA lui-même, les coupables. Est-ce que nous avons démenti sa famille Lavalas lui-même, les fait qu'on est là? Et, famille Lavalas lui-même, il y a loin, vous fait qu'on est OEA pas jam nan intérêt population haïtienne. Nan. Est-ce que c'est vrai? Puisque nous connaît si on peut dire li pas d'accord en bagay, même si gen pile nèg politique qui ka caché des peuple la pou revendication yo, mais blanc kon sa ka passé nan pays a, yo pays a pas dirigé. Mais ou même, yon konne yon gen intérêt yon yab defan le
pays dans quoi Haïti et bien en bouleverse puisque c'est là pour faire beurre, c'est là intérêt au même yoyé. Mais famille Lavala c'est même y aller plus loin que ça. Yo même accusé organisation État américain ça pour parce qu'elle t'est participé dans coup d'État qui t'est fait contre président Jean-Bertrand Aristide en 1991 et puis accusé le tout et bien contre coup d'État qui t'est fait contre même président Aristide ça en 2004. C'est ça qui fait famille Lavalas mauvais coucou l'entendre OEA vin chita et bien pour capable faciliter élection dans la cour pays d'Haïti. Et bien famille Lavalas si même li mande population pour capable kembe mobilisation sous toute forme contre pouvoir en place ça et dit l'autre monsieur dans opposition au même que très laid puisque yo konnen mission OEA OEA pa jam nan intérêt peuple yo même yo pa ka aller al défendre intérêt personnel intérêt mesquin pa yo ça fait monsieur dame nan famille Lavala sur yo même yo fâché en pile yo dit ça li même yo c'est trop bateau ça fait yo même yo dit c'est beaucoup de peuple yo té campé c'est beaucoup de peuple y a continuer campé bien malgré tout ça ou a ta mandé yo même yo pa la donne. En tout cas dossier ça son dossier n'a suivi de près pour nous capoter tout dernier petit détail pour vous. Eh bien parlant de OEA qui était venu dans la cour pays d'Haïti émission fini depuis 8 juin 2021 là eh bien grand pile monsieur dans politique ça qui était accepté chita parler ensemble avec OEA. Et selon information qui arrive une salle des nouvelles nous eh bien OEA rencontré avec plus passé 50 acteurs dans société civile là avec dans politique là ça veut dire en pile nèg noué qui prend la presse eh bien qui ouvre gorge pour dire yo pas eh bien pas chita ou bien yo pas en affaire avec président Jovenel Moïse ou bien yo pas prendre l'élection avec eh bien Pifo, nan monsieur Sao, Tichita, parle ensemble avec OEA. Et, en pile nèg yo, la den yo, tout ça, parmi tout ça que Tichita yo, yo toujours dit, mais ça OEA dit. Mais ça ou dit, blanc, yo toujours dit, yo dit blanc, yo pas en affaire avec président Jovenel Moïse, yo pas prendre l'élection avec, yo pas dans référendum, mais yo pas jamais dit que OEA, organisation État américain lui-même, malgré toute revendication monsieur dame dans société civile avec dans politique là eux même yo fait eh bien yo même yo un seul bagay qui c'est élection et puis pour président Jovenel Moïse même remettre pouvoir 7 février 2022 ça veut dire là opposition lui même nous capable dit li échoué dans manœuvre que lui même il a fait dans toute stratégie que lui-même l'étape utilisée pour lui façon de capable forcer Jovenel Moïse même quitter tête pouvoir et puis pour installer transition au besoin installer pour 2 ans et bien puisque vous fait connaître c'est ça qui lui-même solution avec crise cap traverser pays d'Haïti à là bien OEA a un grand rapport pour lui remettre mais grand rapport ça pas changer grand chose puisque yo même yo déjà fait connait yo pas veut l'autre bagaille chita parler ça pral et bien permettre bien élection législative ensemble avec élection présidentielle libre équitable crédible dans l'année 2021 là ça veut dire tout le monde qui fait connait yo pas prendre l'élection ensemble avec président Jovenel Moïse yo déjà échoué puisque c'est président Jovenel Moïse ensemble avec tout gouvernement qui va organiser élection dans la cour pays d'Haïti ça veut dire là malgré président Jovenel Moïse même il prend coup le fait que il pas ca organiser référendum constitutionnel encore puisque américain pas d'accord mais il y a avantage pour lui organiser élection dans la cour pays d'Haïti. Ça veut dire quand même il fait moitié dans notre lit puisque
C'est deux grands chantiers de gain. C'était référendum constitutionnel ensemble avec élection. Il n'a pas fait référendum, ou bien il n'a pas fait référendum, et eh bien là, il a fait élection quand même. Ça qui fait un pile nèg dans l'opposition, boudé, il est fâché. Mais les blancs qui parlent, ou obligé de couper, puisque vous connaissez, ou qui grignent dans nos carrefèves. Eh bien, c'est là tout, série d'informations de Kaba. Merci à vous-même qui avez prêté nos attentions avec fidélité. Nous casser rendez-vous très prochainement pour une autre série d'informations vraiment intéressantes. Et n'a pas invité ou. Abonnez à la chaîne là, activez la cloche notification, comme ça ou pas perdre même yota dans la série d'informations que nous avons pour vous.